Bonjour, c'est Ninon d'Horizon Créatif. Aujourd'hui, je vous propose une carte magique avec le kit Lophone. J'ai fait une base de cartes de 13 par 13 cm. Ici, je vous montre les dies qui permettent de faire une carte magique de manière très simple. Donc, pour le fond de ma carte, j'ai utilisé des Easing Dye d'Aladin et un mélange d'encre oxyde aussi. Je mets ce scotch bleu que vous voyez pour protéger l'arrière de ma carte de manière à ce que je puisse utiliser mes encres sans souci et surtout que ça fasse une belle arête bien propre et pas de bavure sur l'arrière de ma carte. J'ai fait une découpe à la Big Shot sur un papier de brouillon standard pour simuler une colline pour séparer mon vert de mon bleu. Là, je vais faire des gouttelettes d'eau pour faire oxyder les encres. Voilà, et je ne laisserai pas à fond, je vais essuyer avec un chiffon microfibre. Je vais aussi faire des gouttelettes couleur nacre, enfin couleur opaline exactement, avec les pigments et zinc de chez Aladin. Donc là, je vais utiliser tout simplement un pinceau que je vais tapoter sur mon doigt. Ici, je vous montre les dies dont vous aurez besoin. Donc la partie la plus grande qui représente deux rectangles, vous en aurez besoin d'une fois. Le volet, on va dire, donc une découpe aussi. Et le die en forme de U, personnellement, je le fais trois fois. Moi, j'ai choisi ce rectangle. Vous voyez qu'il y a un ovale et un cœur sur la planche. Ces trois dies-là servent à faire comment dire, le cadre pour votre animation. Donc là, je vous montre les découpes. Un bout d'acétate représentant la taille d'un demi-rectangle là, sur la grande bande que vous aurez découpée. Donc le grand rectangle se plie en deux, ça se fait tout seul, c'est prévu dans le die. Et une ouverture est faite au centre, de manière à pouvoir glisser ensuite le volet à l'intérieur. Pour l'instant, je dois m'occuper de choisir le cadre en fait que je veux sur l'avant de ma carte magique. Donc moi, j'ai pris le rectangle, je vais centrer et découper. Ici, je prends des repères pour pouvoir tamponner ma scène que je souhaite mettre en décoration. Et pour cela, je vais utiliser de l'encre noire MFT, ce qui va me permettre de faire une colorisation au feutre à l'alcool sans souci. Je mets une feuille de brouillon à l'intérieur de ma carte magique. Simplement pour pouvoir ancrer les bords de l'avant de ma carte magique parce que je veux que ce soit coordonné au reste lorsque je vais coller ce petit rectangle sur mon fond de carte. J'accélère la vidéo, il s'agit de la colorisation, donc des feutres à colle, spectrum noir, nouveau et graphite pour moi, en sachant que le spectrum noir reste quand même mes préférés. Voilà, hein, comme d'habitude, vous le savez, j'utilise en général quand je le peux trois couleurs pour m'en dégrader et je vais du plus clair au plus foncé.
Voilà ma colorisation terminée. Donc là, j'ai réduit forcément la vitesse de la vidéo pour vous montrer comment coller, enfin, il n'y a rien de bien compliqué, toutes vos parties découpées. Donc le U ira du côté de votre scénette. Donc là, vous prenez une bonne colle, la Tonic Studio ou la Nouveau, ils feront très bien l'affaire. Pas une colle à base de beaucoup d'eau, on va dire, pour pas que ça gondole éventuellement. Voilà, donc là je commence à coller mes découpes en forme de U. Donc je superpose tout simplement les U les uns sur les autres pour faire une épaisseur. Pourquoi j'ai choisi 3? Ben parce que le volet glisse mieux après, je trouve, à l'intérieur. Que si je mets un seul U, en fait, le volet aura la même épaisseur. Donc j'aime bien que le bord, pour avoir testé, je préfère un bord avec les U plus épais que celui du volet. J'espère que je suis bien claire. Donc là, je dois coller mon acétate. Donc évidemment, on ne colle pas du côté où on a colorisé. On va le coller sur le côté ouvert du grand rectangle. Cependant, là, je prends juste mes repères pour que le tamponnage fait sur l'acétate corresponde bien au tamponnage colorisé. Voilà, mais vous voyez, je mets la colle sur le côté ouvert du grand rectangle. Vraiment sur les bords de manière à attraper que l'acétate ensuite. Je vous ai peut-être pas tout à l'heure précisé que je tamponne les deux mêmes scénettes, que ce soit celle que je dois coloriser et celle qui doit rester en noir sur l'acétate. Sur l'acétate, je tamponne aussi avec de l'encre MFT noire. Voilà, vous voyez, j'ai mis la colle, j'ai refermé mon volet où j'ai mis la colle sur l'acétate de manière à ce que tout corresponde bien par la suite. Voilà, c'est le moment de glisser le volet, de voir que tout va bien. On met de la colle sur les U à nouveau et cette fois c'est pour fermer le volet complètement. Comme je vais mettre ce petit carré magique sur mon fond de carte, je colorise bien les tranches assorties au reste. Voilà, là je vous montre que ça fonctionne très bien et c'est très sympa, ça fait une carte interactive. Donc là je vais la coller avec du double face sur mon fond de carte et comme j'ai fait les mêmes motifs en décor sur mon petit carré magique, je m'arrange pour que ça corresponde à peu près au motif de mon fond de carte. Je colle maintenant tous mes petits personnages que j'ai colorisés pour habiller mon devant de carte.
Vous vous en doutez, hein, je vais forcément rajouter un petit peu de paillettes avec mon feutre à pinceau spectrum noir, un peu sur les ballons et à quelques endroits. Dans la planche de Thaïs Lofon, il y a le mot Hello, donc j'ai choisi de l'utiliser. Avec ma verse à marque, je vais l'embosser. J'ai choisi la couleur gold de Papermania. Elle a des petites paillettes en plus, disons. Voilà, une or à paillettes. Voilà, je vais l'embosser plusieurs fois de manière à ce que ça donne un bel effet. Voilà ma carte terminée, j'espère qu'elle vous plaira et qu'elle vous donnera éventuellement des idées. Belle création à vous et à bientôt !